Étape 1, je me nettoie le visage. Donc, je me mouille le visage. Donc, si vous souhaitez la même, n'hésitez surtout pas à venir en MP. Donc bien sûr, vous avez deux coloris. J'ai les deux. J'ai la noire et voilà la grise. J'en voulais une deuxième parce que une, ça ne me suffisait pas. Parce que elles étaient souvent sales. Donc, voilà. Donc, nettoyer le visage. Aujourd'hui. Alors, vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai un petit bouton. Donc, on va utiliser le produit de la gamme Acné. C'est un nettoyant. Bien sûr, je vais en profiter pour en mettre un peu. Sur le bouton. Laisser agir un petit peu le produit justement. On continue avec le masque acné. Alors moi, je l'étale bien sûr avec les pinceaux. Voilà, j'étale les masques avec les pinceaux. Hop. Laissez agir un petit peu aussi. Donc comme vous pouvez voir, je mets sur mon bouton ici aussi. Aujourd'hui, au niveau crème, ça sera la crème visage au lait d'anis. Avant le maquillage. Si vous aimez l'odeur du lait d'anis, donc dans cette gamme, on a le shampoing au lait d'anis, on a le gel douche au lait d'anis. Donc voilà, ensuite on passe au maquillage. Aujourd'hui, ça sera bien sûr le fond de teint. Donc le fond de teint, c'est la référence LM01. Donc c'est la première teinte.
Donc, je vais vous mettre un petit peu. Donc voilà la teinte. J'ai pas encore de pinceau à fond de teint, mais c'est pour ça que j'étale avec ça. Sachez que c'est souvent la poudre que je mets, mais aujourd'hui j'ai décidé de mettre le fond de teint. Ensuite, on va passer au anti-cerne. Donc le anti-cerne, c'est celui-là, toujours le même. Dès qu'il sera fini, je vous montrerai le anti-cerne de Shogun. Je vous commanderai le anti-cerne de Shogun. Voilà. Ensuite, on va passer au mascara. Mascara. Je vais vous parler celui-là. Donc c'est un mascara que de Shogun. Bien sûr, il y a une nouveauté au niveau mascara. Il y a un nouveau mascara qui est sorti. Je vous ferai un post justement sur le nouveau mascara. Donc voilà. Donc ça, c'est l'avant-dernier. Et le tout premier, il est là. Le tout premier mascara Shogun, c'est celui-là. Celui-là, c'est le deuxième. Et le troisième, bah, je ne l'ai pas encore. Il faut que je termine mes mascaras. C'est ce qui... Je vais vous voir. Voilà, vous voyez la différence. Celui-là maquillé, celui-là pas maquillé. Et ensuite, alors je vais vous faire soit celui-là pour les le fard à paupières, comme ça. Soit celui-là qui est le LK0M36 ou le 37. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous faire celui-là. Je vous avais dit là, depuis un moment que je voulais les tester. Donc aujourd'hui, ça va être celui-là. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de vous faire un petit. Voilà.
Est-ce que vous voyez un peu le bruit? Hop. Voilà, vous voyez, donc c'est celui-là. Et pour terminer, le rouge à lèvres. C'est un ultimatum pour moi. Je vais mettre celui-là, le rouge, pendant une journée. Sachant que je ne mets jamais de rouge à lèvres rouge. Voilà. Et pour terminer, le parfum. Donc là, ce matin, j'ai mis celui-là, le 351. Donc les petits formats, ils sont à 30, à 15,50 €. Donc voilà les petits formats. Et les grands formats, il est dans la boîte à côté. Donc voilà, ils sont à 30 €. Voilà, c'est terminé.